Hop là. Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va tenter les plus gros jumps en longueur et en hauteur. Je vais le faire avec le street trial, j'ai un kick qui m'attend dans la voiture, donc on va essayer de monter des trucs vraiment très hauts, des arrêts de bus, tout ce que je vais trouver, en gros, ça va juste être ouf. Vous connaissez Bang, la boisson énergétique qui sponsorise cette vidéo. On va boire une petite gorgée pour avoir de l'énergie pour la vidéo. On est bien chaud, pas de sucre, pas de calories, juste de l'énergie comme d'habitude. Allez, let's go, on s'échauffe un petit peu et après, ça va envoyer des gros tricks, les gars. Oh, je suis chauffé là. Ma joule, le saut, sorti 3-6. Allez. Du coup, le premier gap, je vais faire ici. J'arrive avec de l'élan. Je saute sur le prochain mur ici. Donc là, on a déjà bien 2 mètres. Et mon but, pas seulement faire le gap, ça va être de rester sur la roue arrière en manual et de sortir là-bas. Allez, let's go. Ah, touché. Je l'ai pas validé là, j'ai reposé l'avant. Faut vraiment que j'arrive à sortir sur l'arrière là-bas. Allez, deuxième essai. Voilà. Oups là. Là-bas, il y en a vraiment plus gros. Vas-y. Allez, celui-là. Regarde, j'arrive avec un max de speed là. Ce qui est chaud, c'est l'élan. Il faut le prendre en virage. Et là, le but, ça va être de gaper jusqu'à là-bas. 3 mètres. Je suis parti. Oh la frayeur. Oh, je me suis fait peur, je suis arrivé en arrière comme ça. On a fait de la longueur, on va essayer de la hauteur maintenant. Là on a un beau mur, on va essayer de le monter. Bon là il fait déjà 1m60. Là j'ai vu qu'il y avait cette pierre, on va se faire un tremplin naturel. Je vais taper l'arrière dedans. Tiens bah là il y a une... exactement ce que je voulais. Genre ça, histoire que ça tape un peu moins fort dedans. C'est un peu de la bricole hein, mais je pense que ça peut le faire. La touche finale c'est ça, la petite pomme de pin ici. Tout est dans le détail. Là j'ai le kick parfait. Tête emballée. Wow. Faut que je mette plus de bois, genre. J'ai le tremplin le plus biscornu du monde. En gros, bah ça va être la même idée que tout à l'heure, sauf qu'il faut que je reste exactement sur cette planche-là. Ah voilà, bon, j'ai cassé la planche, non? Ouais. Ça passe quand même. Yes. On va remettre ça là où c'était. Hop, ni vu ni connu. Et on va aller trouver un nouveau kick. Là, il y a un gros gap que j'ai envie de faire. Et en plus, ça va être un beau combo parce qu'il va falloir monter sur ce galet. Pas beaucoup de place. Et du coup, arriver sur ce galet-là, let's go. Allez. Là. Oh. Ça passe, hein. Il va falloir commencer à trouver des modules. J'ai le kick dans la voiture. On va essayer de trouver peut-être des planches ou des trucs comme ça pour faire des kicks encore plus gros. J'ai vu qu'il y avait un chantier là-bas. On va essayer de demander des planches. Là, il y a le chantier. Je vais aller voir. Bonjour. Excusez-moi. Je suis à la recherche d'une longue planche de bois pour une heure. On tourne une vidéo là, que ça me servirait de tremplin. Alors, faut aller dans le bureau. On va aller voir ça. On va aller voir le big boss du chantier, voir s'il peut nous passer quelques planches pour faire un tremplin. Si on peut trouver une planche de 3-4 mètres, ça serait magnifique. Bonjour, excusez-nous de vous déranger. On a la recherche d'une grande poutre de 3-4 mètres de long, assez solide pour faire un tremplin. Et je vous la ramène après. Ah, ça serait pas mal ça déjà. Eh ben, on a trouvé le bonheur, nickel, merci. Ah, voilà. Bon bah voilà, on a trouvé notre bonheur, ils ont été bien cool. On a une barre de 3 mètres. Du coup, ce que j'imagine, c'est trouver un peu de hauteur et que ça me fasse genre un tremplin pour pouvoir monter sur pas mal d'obstacles. Alors vas-y, on va servir de cette planche pour monter sur le toit. Ça peut être pas mal pour commencer. Petit plan incliné comme ça, c'est un poil flex quand même. Hein. On va essayer de pas lui casser. Monter sur le toit et sauter. Mais là, il y a le petit rebord en fait. C'est comme si on roulait sur... C'est encore pire que si c'était plus fin que ça. Parce que là, si tu es sur le côté, autant ça te déséquilibre et tu tombes. Let's go.
Eh bah ça va, elle est pas mal cette planche. On va pouvoir se faire des trucs bien stylés, chiant. Et bam, sur le toit. J'espère juste qu'il va pas avancer. Sinon, bah, il finit directement dans la carrosserie. Ce serait moins rigolo. Olé. Il fait un petit peu soulever, mais ça le fait normalement. Je le vise dans le sol, donc je vais le garder. On va le mettre dans l'air, trouver des plus gros modules encore à monter. Là, j'ai trouvé un truc qui va être sympa. Un peu dangereux, certainement. Monter sur le panneau. Alors, en plus, il y a le trottoir juste avant. Il va falloir faire un bunny up sur le trottoir. Ouais, ça bouge. Ça bouge à mort. Le problème, c'est quand je vais arriver en haut, la montée, ça va, je pense. Mais alors ici, c'est là que ça risque de bouger. Vas-y, je fais un test, on voit de toute façon. L'idée, elle est bien, mais dans le réel, je sais pas si ça va être bien. Ah, il y a du vide. Ah. Ah, cette rainure, elle fait peur. Si t'es pas parfait, ça te fait glisser. Oh, la sortie, par contre. Comme ça bougeait. Ah c'est bon, je le fais qu'une fois. J'ai cru que tout allait se casser la gueule. Bon, allez, c'est bon, on bouge. Je vais essayer beaucoup plus gros. Regarde-moi ça. Tu crois que c'est faisable ou pas là? Ce que je vais faire, c'est que je vais attacher là. Je vais attacher sur la barrière. Au moins la poutre, elle sera fixée à la barrière, sera déjà ça. Les mecs du chantier vont halluciner s'ils me voient là-haut. Là, on est sur un truc qui fait quand même 2,50 m, non? 3 m peut-être, je sais pas. Là, au moins, je serai rigide. Ok, d'élan, bon, hop. Wow. Ah. Ouais, ça y va. Ce qui est chaud, c'est cette histoire de rainure là, avec la vitesse, si peu que je sois sur le côté. Mais l'élan, là, on est bien là. Parti. Yes. Voilà, par contre, la descente, elle est énorme. Ouais, je vais m'écraser en bas. Oh. Oh. Yes. Bon, bah écoute, hein, on va amener la poutre sur un autre endroit. Allez, c'est parti. Nouvelle idée. Avec le tremplin, monter là-haut. Pas mal, non? Petite marche de 2,50 m. Ce que je vais faire juste, je vais le fixer dans l'herbe. J'ai peur qu'il avance. Il y a une dalle en béton en dessous. Ouais. Ou alors, il y a un geyser. Je vais péter une canalisation. Voilà. Tu connais Lucky Luke? Eh ben c'est pas moi. Allez, moi je fais du vélo. C'est parti. Oh non! Ça va, c'est de l'herbe. Un peu plus d'élan et c'est bon. Et la sortie. Wacha, yeah. Nouvelle idée. Je vais monter un arbre. Je vais mettre le kick là. Faut pas que je me prenne cette branche là. Yeah. Hop là. Allez, on est parti pour le dernier défi du coup. Il est un petit peu plus loin du coup. On va essayer de le foutre sur la voiture ça. Hop. Regardez-moi. Ça va être magnifique. José Seguiri, vous savez qui c'est? Marquez dans les commentaires ceux qui savent José Seguiri. Il a écrit là, José Seguiri. À vous d'aller sur Wikipédia et de trouver qui c'est. Alors, on va trouver un truc. Je vais peut-être récupérer le tremplin pour le faufiler sous la planche. Ça pourrait me faire planche-tremplin, ce serait magnifique. J'ai peur qu'il avance avec, mais je vais me prendre José Seguiri dans la tête. Genre là, quand j'arrive là, j'ai peur qu'il avance. Vas-y, écoute, je teste, hein. On voit. J'ai été bon, il y a un arbre juste devant mon élan. Le truc trop chiant. J'ai raté la poutre. Allez, go. Wouhou. Je vais redescendre par là. Hop. Wow. Wow. Il était pas mal cet enchaînement. Moi, ce qui est bien dans ces vidéos, c'est que je rate plus que je réussis, mais au final, j'y arrive. Si je mets la poutre là. Alors là. Je l'installe et on voit, mais je suis pas sûr.
Là, je suis parfait. C'est juste que je jambe. Okay. Ah, la prochaine, c'est la bonne. Et je me fais pas engueuler par le bus. Voilà. Yes. Et ben voilà, nickel. Vas-y, j'ai compris, on peut la refaire au pire. Un plan différent. Si tu veux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me proposer pourquoi pas une prochaine vidéo. Merci à Bang Energy qui a sponsorisé cette vidéo, ça fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.